Jour 8, Forlay. Non, pas le confinement, non, co... Jour 8, et cette intro n'est toujours pas changée. Je vais compter les jours. Non, mais ça ne me va pas d'attendre la prochaine saison du campus. Non, 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 Eh ben, je sais pas, tu rajoutes une voix derrière et tu parles du cul de la mère à Mary plutôt. Attention, ce programme contient une dose de sel, de second degré, de sarcasme, de mauvaise foi et d'insultes nettement supérieures à la normale. Son visionnage requiert une ouverture d'esprit aussi grande que le trou de balle de la mère à... Mary. Hein? Aujourd'hui? Bah du Valorant, mec. Comment ça, pas du Rainbow Six? Oh, ouais, ferme. Eh, tu vas pas commencer toi non plus, sérieusement, là. Rainbow Six, Minecraft, c'est bon, quoi. Tu auras m'éclater sur un autre jeu, non? Sur lequel, en plus, il se trouve que, une fois de plus, je suis un dieu vivant. Alors, donc, j'ai envie de te dire, tranquille, c'est un petit peu normal, quand même. Ouais. Vas-y, pousse-toi, je vais dire bonjour à toi. Hey! Comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Est-ce que vous allez bien? Oh, je viens de terminer de manger. Le cerveau se réveille comme hier, prêt à aller envoyer pas mal de clutch. Comme d'hab, quoi. The Clutch Master. Allez, rentrez. Ce matin, j'ai envoyé un tweet pour l'exclamation Twitter, machin truc, dans lequel je me plaignais de plein de youtubeurs que je considère comme des gros connards. Non, je rigole. Ah, regarde, il était là. Oh, vite, vite, vite. C'est quoi son Twitter, un drama? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la deuxième fois que dans des interviews, les mecs de Valorant et la communication de Valorant utilisent pour parler de la bêta le terme a few weeks avec un S qui est important. Donc, ça viendrait peut-être, j'en ai aucune idée, hein, mais ça viendrait peut-être confirmer quelque part, eh bien, ce que je disais hier et avant-hier, à savoir, et ça serait le plus logique, qu'en fait, cette bêta fermée sur laquelle on n'a pas de date d'une bêta ouverte se transforme en bêta ouverte. Ou alors, bon, que ce soit une bêta fermée, mais qui, au final, il y aura 90% des joueurs qui voulaient y accéder, qui peuvent y accéder, quoi. Donc ça reste fermé, mais pas tant que ça, en fait, hein. Je pense que ça va durer plusieurs semaines. Dans le meilleur des cas, je pense, bah, en fait, il y aura peut-être pas beaucoup de temps d'attente entre la fermeture de la bêta, fermée ou ouverte, et la release du jeu. Voilà. Donc, parce que, comme on le disait, ils ont dit été 2020, hein. Donc si ça se trouve, c'est le 21 juin, quoi. Comme ils ont dit plusieurs semaines pour eh bien, la bêta, ils ont même parlé du fait qu'ils allaient mettre le système de ranked pour le tester dans la bêta dans quelques semaines. Donc on peut imaginer déjà que dans 2-3 semaines, le jeu sera toujours là, quoi. On peut imaginer un truc, ouais, best case scénario, un delta de 2-3 semaines entre la fin de la bêta et le début de la release. Ouais, ça fait beaucoup d'alpha bêta gamma là, quand même, mais bon. Ok, du coup, alors, bon, je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est là, l'autre trouduc, là? Non, il est pas encore là, lui. Il doit être en train de tout configurer dans son studio. Je l'ai vu tout à l'heure, c'était un peu la merde, etc. Et il s'est encore mis de traviole, là, putain. Et c'est comme... Eh non, mais regarde, moi, par exemple, là, je pourrais pas jouer, là, dans mon bureau. Tu vois? Je suis obligé. Ouais, tu m'entends? C'est toujours à toi que je parle. Donc, du coup, je pourrais pas jouer ici, tu vois? Parce que là, c'est un écran qui est à gauche. Là, c'est un écran qui est à droite. Et là, c'est un écran additionnel. Ok? Donc, je pourrais pas jouer. Il me faut l'écran en face. Or, je n'ai pas l'écran en face. Ah, ça, c'est important. Tu vois? Et donc, du coup, dans le studio, vas-y, on y va. Voilà. Là, j'ai un écran en face. Et là, on est mieux, tu vois? Et j'ai pas un écran en biais. Je pourrais pas jouer comme ça, là. Laisse tomber. De toute façon, il lui faut 1 an et demi à chaque fois pour admettre qu'il a tort et changer les trucs, quoi. Au bout d'un an à lui dire que sa souris c'était de la merde, il vient de la changer. Au bout d'un an et demi à lui dire que son clavier c'était pourri, il l'a changé, il remet à la disposition, il change tout. Il change tout. Mais bon, peut-être dans 5 ans, je pense qu'il aura un setup à peu près cohérent, quoi. Et dans 6 ans, il commencera à écouter mes calls. On est loin, hein, on est loin. All right, I'm gonna show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Alright, ça fait du bien de voir autant de hype sur un jeu différent de celui sur lequel le campus de la Salty Academy s'est créé. Hein, parce qu'en plus, on le sait tous, vous êtes là pour le contenu. Hein? Bien sûr. Bande de bâtards. Il fait quoi, l'autre? Il va faire la gueule toute la journée?
Venez, on va le spammer un peu parce que vu qu'il fait sa tête de cochon là, parce que moi quand on me dit je fais ma tête de cochon parce que je lui dis un truc et tout, bah lui il peut pas faire sa tête de cochon. Bah, non. Putain, tête de cochon. Moi je peux pas faire ma tête de cochon, t'es un con, machin truc et tout. Alors que lui il foire ses clutches, il fait de la merde, il regarde en l'air et tout, il s'en bat les couilles. Il est sur R6, non? Ouais, voilà. Vas-y, mets la CCTV. Il reste 10 secondes. Allez le faire chier. Allez lui dire. Va sur Valorant. Allez-y, mettez son truc dans le chat. Hein? Et ouais, il joue Rook. Bah, il jouera Rook de toute façon. Allez spammer, va sur Valorant. Faut que ça spamme dans son chat. Le faire chier un peu. Lui faire comprendre un peu que moi aussi ça me fait chier. Qu'il aime pas quand je veux tryhard, mais que moi j'aime pas quand il fait n'importe quoi et qu'il termine comme hier en 3-17 quoi. C'est quoi ce jeu? Je connais pas, ça a l'air sympa. Oh! GG. Va sur Valorant. Voilà, c'est ça, je le vois, ça apparaît dans le chat. C'est bien, continuez. Attendez, mais là, il regarde pas, là. Parce que Mary ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, s'il est en train de regarder le milieu de son viseur, avec sa tronche de... On dirait un mix entre un Pokémon Alain Chabat et Antonio Banderas. Hein. Et faudrait lui dire d'arrêter, faudrait lui dire de couper son duvet quoi. Quand t'as une belle barbe, tu vois, comme toi, comme moi, comme vous, voilà, t'as le droit de mettre une barbe. Mais quand ta barbe ou ta moustache ressemble à des poils pubiens, hein, tu ne fais surtout pas ça quoi. Tu la rases. Hein, tu la rases. Elle est intense cette partie. Mais récoupe ton duvet, quelqu'un a mis dans le chat. C'est bon, là il prend le spam. Là il se prend le spam. Oh là, là il comprend pas. Mais ta gueule là, oh, c'est quoi ce spam là? Dégagez. Oh, ah ouais, bon là c'était vraiment. Fallait vraiment pas qu'il joue avec moi aujourd'hui là, parce que là je le connais. Quand il est comme ça. Oula. Bon voilà. Je stoppe là. Je reviens à 20h pour du R6, comme ça je vais faire. Oh, ma pause. Je suis fatigué, j'ai envie de faire une sieste. Je reviendrai à 20h, je ferai 2h de R6 et après j'irai sur Valorant dans la soirée. Donc je me recoue à partir de 20h. Mais il a joué 30 minutes là. Parce que The Beast, ça veut rien dire. Je vous dis à tout à l'heure, gros bisous. Ciao ciao. OK. Allez, let's go dans le studio. Il a mal pris tout à l'heure parce qu'il s'était échauffé. Mais il avait qu'à me répondre. Il y a plein de fois où parfois il me dit il s'est échauffé et je sais qu'il s'est pas échauffé. Hein, voilà. Donc là, je le connais. Et il faut connaître les différentes étapes du mairie. Et ça, je le connais. Là, c'est le mairie ronchon qui n'a pas assez dormi. Ça, celui-là, je le connais. Celui-là, il peut piquer. Celui-là, il peut piquer, ça peut aller. Oh là, il va pas parler, un chien là, bon, moi je joue et tout. Et alors, j'ai fait 5 kills, 5-20. Voilà. Ah ouais, on a nos tempéraments. Hein. En fonction de la journée, en fonction de notre taux de glycémie et tout, parfois on est cool, parfois on est con. Hier, c'était moi qui étais con, aujourd'hui, c'est lui. Ça arrive. Je pose une question, il veut pas répondre. Quand il est en mode comme ça, non, moi je te réponds pas. Le sourcil français là, non, alors là je te répondrai pas. Là je sais qu'il faut pas qu'on parte ensemble. Vaut mieux pas qu'on parte ensemble. Alors ça fait un peu mal et tout, tu te dis putain, mais vous êtes des cons et tout. Mais en fait, c'est mieux. Parce qu'autrement, ça peut partir en clash et après il peut repartir et retenter un Mary Gland, un Mary truc là, machin. Ouais, si. Ouais, si. This is not okay. This needs to stop now. Okay.